Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Dans cette vidéo je vais vous présenter la base New Valley qui est en vente dès aujourd'hui, dès la sortie de la vidéo. Elle sera en vente sur Z-Shop, donc le Discord est en description, ainsi que le Discord entraîne. Donc cette base contient pas mal de scripts exclusifs. Elle est très très fluide, elle contient 210 ressources. Voilà, personnellement j'ai un PC gamer à peu près comme tout le monde a, donc dans la moyenne on va dire le point on s'en fout, mais voilà, un PC qui peut faire tourner GTA 5 à 60 fps et sur le serveur avec pas mal de ressources, dans 210 pardon, j'ai fait le tourner à 60 fps en général. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas un bon PC, ce n'est pas très grave, vous pouvez quand même tourner avec pas mal de FPS, surtout la fluidité du serveur est plutôt pas mal. Donc là on arrive, on a le 3HD en haut à droite, voilà, à gauche on a les petites notifications comme quoi le chargement du personnage a été fait et qu'on a rendu le serveur à la ville. Donc là, alors je suis mort, super, je vais me revive. Je vais mettre en clip par contre. Je vous montrerai tout après, vous inquiétez pas. Donc ça, administration, donc là on arrive, vous m'indiquez la carte, voilà ce que vous avez sur la carte, plutôt rempli, pas mal de choses. Non, c'est quoi ça, voilà, il y a pas mal de choses à vous découvrir dans ces vidéos. Peut-être pas je vais tout vous montrer, mais en tout cas je vais essayer de tout vous montrer, je vous promets rien, mais voilà. Donc la base est plutôt remplie, voilà, on a ça, ça va être les gants, vous voyez, comme vous pouvez voir. Ici on a le mécano, les NVMS, pardon, c'est des MS comme David, New Valley. Voilà, alors sans trop vous spoil, je vais vous montrer. Alors, slash 1, police 3, peut-être. Je sais pas du tout c'est quoi pour dé. C'était ça. Alors, une touche depuis tout à l'heure. Ah oui, voilà, vous faites F10, vous avez votre dé. Alors, moi c'est le 6, donc 6. Et ce n'est pas 3, mais 6. Voilà, ouais. Donc là le menu F6 se présente comme ça, interaction citoyen, vous avez même noté des menottés, vous pouvez le voir, hein, c'est le menu de base. On modifie, voilà, vous avez la prison fédérale, gérer les licences, facture à payer, voilà, etc. Véhicule information pour la plaque d'immatriculation je pense. Extra je vous montrerai après. Renfort PNJ, c'est quoi ça? C'est pour avoir des renforts si jamais vous êtes en pleine patrouille, un braquage ou quoi. Vous pouvez appeler un renfort qui viendra, donc c'est un moldu, vous verrez sur la petite carte en bas à gauche. Ouais, demande de renfort, déployer une patrouille moldue, demande de renfort hélicoptère carrément, un moldu qui est un hélicoptère tout simplement. Avec les sirènes ou pas, si vous êtes sur une intervention secrète ou quoi, enfin bref, voilà. Sortir le véhicule, rentrer le véhicule, annuler la demande de renfort, terminer toutes les patrouilles, donc ils rentrent tous dans leur garage pour le faire. Ensuite, interaction, ça c'est pour fouiller les PNJ, alors je sais pas si ça marche, je vais essayer. Pas avec un flic, faudrait tester avec d'autres PNJ, mais voilà, peut-être pas avec un flic. Du coup, c'est... on verra plus tard pour ça, mais en tout cas, de base, les jobs flics n'ont pas le truc pour les PNJ. Donc, aussi. Voilà, sinon, demande de renfort. Voilà, bon, par contre, faut qu'il y ait des joueurs en ligne, sinon, on peut pas faire de demande de renfort. Donc, ça évite le spam, le troll et tout, si jamais il y a un flic qui fout de la merde sur votre serveur. Donc, voilà, voilà. Enfin, je remets juste ça. Vous voyez, le menu est plutôt normal, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, garde de robe, vêtements, retire logo, remettre, portefeuille, inventaire, mes clics, ça va être donc voilà, menu F2, voilà pour l'inventaire, pardon. Donc c'est fait. Alors, ici, bon, j'ai fait quoi, oui. Ici on a la LSP, l'armurerie, donc voilà, équipement back, hop là, alors, ah voilà, ok, voilà, c'est devait être un petit bug d'affichage, mais voilà, j'ai mon équipement nickel, j'ai tout, donc là ça marche très bien. Hop, les voilà, et si je vais déposer, est-ce que ça fout tout ça normalement? Oui, non, j'ai pris mon équipement, je suis pas habitué avec ça. Bref les gars, après je pense que c'est à peu près dans tous les polytubes vous avez ça, hein. Okay, voilà. C'est bizarre, ok. Ici voilà les cadenas,
fermer ou ouvrir, voilà, pas besoin de code. On savait que le mapping il fait que c'est fermé, ça sert à rien, mais voilà, c'est toujours un truc en plus. C'est fermé, c'est ouvert, hop là. Ici on a l'argent, voilà, on peut retirer de l'argent. Ah, qu'il n'y a pas assez d'argent en fait. 11€, et là je vais retirer 1€, ça fonctionne, voilà. Un peu secondaire parce qu'il y a le top 2, bref, il y a tout. Voilà, voilà, et c'est pour ajouter l'argent. Ici vous avez carrément le logo de NFVPD, voilà. Donc franchement, il y a pas mal de mappings qui ont été remplacés pour que ça soit NFVPD quoi. Mais sans vous mentir, le serveur est très flou. Oui. Le serveur pour se sentir posé, bah il va le SNF. Voilà, voilà. Alors attendez, pour ouvrir. Ici bah en fait c'est le mapping de base. Donc, ça change pas trop. Voilà, voilà. En bas je vous montre aussi vite fait. D'accord. Allez, on y va. Hop là, on ouvre. Ici, c'est pour prendre sa tenue. Hop là, tenue civile. Les deux fonctionnent. Donc, on va sortir. Je vais vous montrer les véhicules. Les véhicules se situent juste ici. Alors, à chaque fois, j'oublie que je suis en VIP et pas en vapeur. Hop là. Donc, ici, c'est pour sortir les véhicules. Vous faites E. Là, vous avez les véhicules qui s'affichent juste ici, la couleur peut aussi la changer. Alors comment je fais par contre, parce que si je retourne à chaque fois ici, ah voilà, est-ce que ça sert à véhicule, ouais voilà, ok, donc ça c'est pas les véhicules banalisés tout simplement, la moto, les véhicules de patrouille, hop là, je vais prendre laquelle, je vais prendre celle-ci, hop là, et là elle apparaît, alors pas ici, pas se tromper, elle apparaît ici. Voilà. Et là on la prend. Donc là c'est le moment où je vais vous expliquer à quoi servent les extras. Tout simplement. D'accord, super. Restart. Et ça change un tout petit peu, c'est juste que j'ai fait la mauvaise manip. Non, alors ça va être ça. Ce que je retrouve les gars, j'ai fait freeze mon jeu les gars, et juste regarder un truc, je hop là. Bon du coup vu que j'ai freeze mon écran voulait plus rien faire, j'ai dû redémarrer mon PC, donc voilà voilà. Donc là du coup on revient sur le serveur, comme vous pouvez voir on se reconnecte, et je vais vous montrer du coup quoi sert le menu de l'extra tout simplement. Donc on va refaire spawn les véhicules. Donc je vais vous montrer, on va prendre le véhicule KD, hop là, voilà, on y va. Je vais vous montrer à quoi tu sers du coup le truc extra. Alors c'est pas ça. Hop là. Ça part directement. Ouais, tiens. Voilà. Donc là, hop là. Donc ici on a le premier la barre de gyro, enfin pardon. Donc voilà, plusieurs systèmes pour mettre les gyros tout simplement. Donc je trouve ça plutôt stylé. Après moi j'ai un pack donc peut-être c'est un peu mieux, mais voilà, je trouve ça stylé, c'est la propre police du serveur et puis voilà. Ensuite, attendez, hop, ici on a aussi les gyros, ils se voient un peu moins donc voilà, mais sinon je trouve ça aussi stylé. Voilà voilà. Regardez cela. Attendez. Comme ça, bon, on va délaisser le véhicule, mais voilà voilà. Après pour les tenues, parce que du coup j'ai pas montré, j'ai pas eu le temps de montrer les tenues. Enfin, j'ai pris pas mal de temps sur les comment ça s'appelle, le job police, donc voilà, donc, il est assez complet donc forcément. Ici on a j'ai par balle et on a tenue de police. Alors ce qui est bizarre c'est que je suis en local mais on a quand même les tenues de EUP. Et bah écoutez tant mieux. Donc, voilà. Après moi je suis la bague donc ça me met ça, c'est bizarre. Quel est mon 7.
Est-ce que si j'essaye de faire ça, donc ça c'est bien la bague, et là si je fais... Je vais changer dans le truc, après je vais changer, je crois, parce que ça c'est bizarre. Ah mais non, en fait c'est ça avec tenue. Bon d'accord, bon bah okay. Donc ici on a les tenues. Bon ça c'est le mapping, hein. Si vous connaissez pas, au pire vous ferez une petite vidéo en plus pour vous montrer le mapping. Mais la plupart des personnes, je pense que vous connaissez, voilà. Voilà, vous voyez, des tenues comme ça. Après vous changez les tenues, hein. C'est pas obligé, mais voilà, les tenues sont comme ça. Donc je pense c'est tout. Après qu'est-ce qu'on a plus? On va ouvrir. Ah oui, peut-être l'hélicoptère en fait. Ouais. Je vous ai pas montré les gammes, c'est aussi l'hélicoptère il me semble. Hop là. Alors, est-ce qu'on a l'hélicoptère? Je n'ai pas fait gaffe, mais sinon on n'a pas, au pire on peut en rajouter un. Si. Non. Oui, on a l'hélicoptère. Transport en hélicoptère, automatique PNT. Ah bah oui. Hop là, direction poste, palais de B, et là on a l'hélicoptère avec le PNJ qui nous emmène. Voilà. Donc là, hop là, il nous emmène ici, il me semble. Ouais, voilà. Alors par contre, est-ce qu'on peut pas aller plus vite? Bon, on peut sauter, bon, on va sauter. Je vais mettre une clip avant. Hop là, je fais. Bref, vous voyez qu'on peut se faire. Franchement, on peut faire plein de trucs, ça c'est un truc exclusif aussi qui vient du serveur. Donc franchement c'est plutôt cool ça, franchement. Je cache pas que quand j'ai vu ça c'était plutôt cool. Bref, on a NVMS, j'ai réussi à lire. Donc on arrive de ce côté là, je vous montre. Alors est-ce que je vais réussir à faire ça? Ah, d'accord, non. Donc voilà, comme je vous ai dit les gars, venez sur Discord Zshop. Et après vous faites un ticket et puis vous passez la commande si vous souhaitez avoir le serveur. Donc ça c'est un véhicule du serveur aussi. Hop là, on va arriver de ce côté là. Vous voyez, on peut arriver comme ça. Alors forcément on a l'édition de Noël parce que sinon ça fonctionne pas. Hop là. Alors ça c'est job 7 NV. Je crois c'est ambulance 3 peut-être. Ouais, 3. Et là du coup non, on a les points. Et là c'est grand les gars, donc après vous cherchez des points. En tout cas vous avez le job dans le job et vous regardez directement où sont les points. Mais il est au complet en tout cas, ça je le sais. Au complet. Ah merde, un truc ici, mais c'est bizarre. Peut-être ici. Ah c'est ici alors. Pour la pharmacie, bandage. Au complet, vous avez pris les bandages. Là, tout fonctionne très bien. Après à vous de chercher hein, franchement les gars, parce que je vous cache pas que la vidéo va durer 10 ans si je cherche encore. Ah bah si, attendez. Tenue ambulance, voilà. On a ça pareil, on peut mettre ses propres tenues modées si vous souhaitez. Moi j'ai mis ça. Après à vous de voir. Retirer argent, ça fonctionne aussi normalement. Voilà, vous avez retiré et vous avez déposé. Hop là. Voilà, après je vous montre aussi les véhicules vite fait. Hop là. Alors c'est ouf, est-ce que c'est ici? Ouais si si. Ambulance ou Dodge? Ambulance c'est ce qu'on a sorti je crois. Voilà. Et là on a la Dodge. Alors je sais pas si elle a été refaite pour le serveur, mais ça va tomber, voilà. Ouais. Hop là. Et là on a ce véhicule là. Franchement je kiffe. Franchement sur ce véhicule j'ai un gros kiff. Donc voilà. Vous voyez, comme ça, en plein intervention. Elle va assez vite, donc les personnes qui veulent jouer ce job, franchement, je suis pour vous informer, elle va super vite. Donc voilà, on va essayer de passer au prochain. Ça, c'est les stations, je sais. Hein. Je vais aller un tout petit peu plus vite. J'ai un TP. TP sûr. Et si on a le monsieur et on peut réparer tout simplement, vendre des pièces carrément. Ouais. On peut vendre des pièces, lockpick, kit de carrosserie, voilà. Je vous dis, il y a plein de trucs en natif parce que je crois que c'est du natif si je dis pas de la merde. Mais... Voilà, voilà. Ici, je vous montre. Hop là, ici vous avez le vendeur d'armes. Vous avez des catégories. Hop là, j'ai pris le truc sans faire exprès. Voilà. Vous avez plein de choix. Après, vous de modifier si vous souhaitez.
Ensuite, on a quoi, on a les stations, c'est les faire il me semble, tatouage, donc super, super, je vais vous montrer vite fait. Si je pense que pas mal d'entre vous connaissent. Hop, les poissons, alors ça c'est fumé, le téléphone, hein. Je vais voir le téléphone. Ah voilà. C'était carte SIM plutôt. Voilà. Et là, on peut peut-être. Non. En tout cas, vous voyez le, la futée, franchement, je kiffe. Enfin, inventaire. Alors, c'est quelle touche pour avoir le téléphone? C'est marrant, je sais même plus c'est quoi. Vous avez fait tout à l'heure. Bref. Voilà, le menu F6 pour les pompiers, enfin, les ambulanciers. Les EMS, quoi. Sinon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Mécano peut-être, mécano je vais vous montrer, très bon job. Attends, j'étais tombé. Voilà, donc ça situe pas le centre de custom d'habitude, c'est à côté du quartier des Ballas. Je vous montre vite fait. Ici c'est un parking tout simple, pour ça c'est des véhicules et tout, on rajoute pas de véhicule, voilà. Job, allez. 7 mécano 3 peut-être 4 ouais nickel. Ici je pensais pour prendre tout ce qui est voilà, je fais des bruits de rapace déjà. Ouais, bon, ça prend 10 ans, donc on va pas tout faire non plus. Ici ça doit être pour oula, il y a les deux tout le travail, voilà, on a kiff. Action patron, à chaque fois parce que souvent il y en a qui disent que je mens et que les trucs marchent pas, mais voilà, tout marche nickel. Plateau bam bam, après les véhicules c'est ceux d'habitude comme tous les mécanos, donc on peut pas trop montrer de aller de plus. Ah oui, parce que ok, bon voilà. En parlant, si j'ai un menu qui va rester bloqué, c'est pas cool. Donc là voilà, c'est ce mécano, mon perso je préfère. On a les magasins de vêtements, je vais vous montrer aussi les magasins de vêtements qui sont super cool. Après, c'est des trucs de base, mais perso je les aime bien. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Beau, bas, machin. C'est comme sur la V3 que j'ai mis juste après, j'ai mis ce menu, donc voilà, je kiffe. Ici c'est les petites pharmacies, vous pouvez acheter directement des soins, il me semble. Si je dis pas n'importe quoi, premier soin, voilà. Ça coûte super cher, mais après vous mettez le prix. Hein. Ici c'est quoi? Ah, on est d'accord. Ah, attendez. Donc ici. Faut que je sorte pour rentrer ici peut-être. Hop là. On a aussi une armurerie. Ici on a juste sa bande. Ouais, on a juste sa bande. Ça suffit. Donc voilà, voilà. Pour ce qui est de l'auto-école, je pense que c'est cette habitude, hein, que tout le monde connaît. Après les gars, si la vidéo dure longtemps, c'est normal, mais si vraiment vous souhaitez avoir un serveur, regardez vraiment de A à Z. Comme ça, quand vous voulez l'acheter, ne demandez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà, vente d'orange, donc il y a aussi les trucs pour les oranges et tout. Voilà, voilà, taxi, bon c'est tout d'habitude. Le Pôle emploi, je vais vous montrer. Pôle emploi qui est pas à la place d'habitude, je l'ai mis ici. Voilà, voilà. Ça c'est métier, donc tout fonctionne parfaitement. Voilà, voilà. Pour ce qui est, ah oui, alors ça c'est super cool, je vais vous montrer. Donc ici à la concession, ouais. Donc là je me suis mis concessionnaire patron. Ici on peut pour les clés, voilà, si vous voulez enregistrer une clé. Bien sûr, faut venir d'acheter une voiture. Enfin, juste après avoir acheté une voiture, vous pouvez enregistrer la clé, la dupliquer ou donner la clé. Voilà, ça vous dira ce que vous voulez faire juste après. Acheter véhicule, nanana. Donc ici, on a tous les véhicules. Il n'y a aucun véhicule modé, simplement pour une raison. Donc, du coup, ah, pardon, attendez, parce que j'ai fait trop de trucs. Hein. Ah, ok, j'en ai fait trop d'un coup, mais voilà. Pour une raison, ça bug moins le serveur. Et puis, même si c'est mieux quand il n'y a pas de véhicule modé, comme ça, pas besoin de régler la vitesse du véhicule ou quoi. Okay. Tout fonctionne très bien, c'est ce que là j'ai fait en même temps, donc ça a fait bugger, fallait peut-être pas faire en même temps, mais voilà, voilà.
Après je pense c'est tout, menu F6 c'est quoi, il n'y en a même pas, normal. Voilà voilà, ici bah c'est les Bahamas, voilà après je pense c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Burger Shot, ouais bon c'est tout d'habitude, voilà. Le Santos Informer, c'est les journalistes, c'est Job. C'est journaliste 1, 3. Non, c'est juste au-dessus. Hop, non, bah c'est bon. Ok, bah voilà. Alors, c'est de ce côté, ouais. C'est de ce côté, les gars. On peut refaire spawn un véhicule qui est un petit van refait. Donc, c'est Valley News. Que ce soit Wizard News ou quoi. C'est vraiment tout refait par le serveur. Donc, c'est vraiment un truc unique. Voilà, voilà. Pareil, est-ce qu'il y a un menu fixe matériel fixe? Ah oui, on a le fond vert. Voilà, alors comment on le range? Je sais pas comment on le range. Alors, on peut faire E. Non, ça doit être. Ouais, bah j'étais dans mettre quand si j'ai pas rangé. Non, faire E, bref. Ça, c'est une facture. Je sais pas pourquoi, mais faut mettre des factures. Caméra, épaule. Alors, caméra, épaule. Bon les gars, vu que j'ai refait la touche, ça fait encore bugger. Je pense qu'on va s'arrêter ici. En tout cas, vous avez vu, on peut faire spawn pas mal de choses. C'est plutôt cool. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Pour moi, ça sera tout. Si jamais vous avez des questions, les gars, tout sera en description, bien sûr. Et en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos questions, pardon. Il y aura mon Discord en privé, le Z-Shop en privé, enfin en description, pardon. Et puis il y aura mon Discord d'entrée dossier en description pour ceux qui sont intéressés par la base. Voilà, le prix sera sur mon Z-Shop. J'aime pas dire les prix en vidéo, donc voilà. Et puis sur ce, c'était tout. Et puis on va se laisser ici. Bonne journée, les gars.